Alors, j'ai fait cette petite vidéo pour deux raisons. Dans un premier temps, ben, je voulais avoir un souvenir de ces petits minois, de ces petits chats errants qui étaient chez nous. Cette petite fratrie, en fait. Il s'agit de chats errants qu'on a fait castrer. Alors, je risque pas d'avoir la chance de les revoir tous ensemble comme ça et surtout de si près. Je voudrais profiter de l'occasion pour conscientiser les gens, puis inviter ceux qui peuvent le faire à faire de même. Les chats errants, c'est la surpopulation là, en peu de temps. Alors la castration est très importante pour eux, autant les mâles que les femelles. Les mâles, eux, patrouillent et font des petits bébés de tout bord et de tout côté. Les femelles, ben, elles, c'est sûr qu'elles ont les bébés. Ensuite, tous ces bébés-là grandissent et en peu de mois, sont encore eux aussi capables de procréer, sont déjà capables de procréer. Donc, en un rien de temps, on se ramasse avec une population de chats incroyable. Ils sont vraiment sidérés, là. Et ce sont des chats errants, donc c'est sûr qu'ils ont peur, puis ils bougent pas, là. Ils pensent à protéger leur vie en faisant le moins possible acte de présence. Je voudrais profiter de l'occasion avant de terminer pour remercier mon conjoint Gaston, qui est celui qui les a tous capturés. Et puis, même au péril de sa vie, entre guillemets, parce qu'il a été blessé au visage, là, près de l'œil, entre autres, il aurait pu se faire blesser plus gravement en essayant d'en capturer un là, qui ne voulait pas rentrer dans les cages de capture. Alors, celui-là, il l'a capturé à main. Alors, merci Gaston pour tout ce travail. C'est lui aussi qui paie les stérilisations. Il y a eu, il faut dire aussi, un autre gang la semaine passée qui est passée ici là, pour la même chose, soit cinq autres chats. Donc, en tout, là, il y en a 10, 11 d'opérés. On tire sur la faim, mais ça vaut la peine. On va leur offrir une vie différente de celle qu'ils auraient pu avoir. Puis surtout, pas de descendants et de petits misérables laissés dans la nature à eux-mêmes. Et on sait tout le drame qui vient avec ça. Alors, ces chats ont été stérilisés, les mâles comme les femelles. Et puis, ils vont retourner dans un peu de temps, là, en liberté, faire leur vie. On leur souhaite le meilleur. Puis, ben c'est ça. Ceux qui peuvent faire ce genre de choses, c'est bien. Faites-le, je vous encourage. Beau petit minou d'amour, tu risques rien avec moi si tu savais. Puis toi, t'es caché derrière ta litière, hein? Bientôt, ça va être fini, on s'en va chez nous, là, puis on va vous libérer. Alors ici, il y en a deux, puis un autre là. Alors c'est ça. Ceux qui peuvent aider les chats, tous les animaux bien sûr, mais les chats, ça peuple beaucoup et rapidement. Alors bye.